suis contente de vous voir là. Parce que là, c'est le spectacle de Noël. Donc, il va y avoir des personnes qui vont arriver. Donc, il va y avoir le Père Noël. Donc, vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Hein? Il est juste là. Il sera dans le fauteuil. Si vous voulez aller le voir, vous pourrez le voir après. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne va pas s'approcher de vous si vous ne voulez pas. Après, il va y avoir un docteur. C'est pareil, le docteur, il n'est pas pour vous, il est pour le Père Noël. Après, il va y avoir un druide. Un druide, c'est un monsieur qui va avoir une grande cape. C'est pareil, il ne faut pas avoir peur parce qu'il va s'occuper que du Père Noël. Et après, vous allez voir une sorcière. Vous savez, comme la comptine qu'on fait régulièrement. Et là, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur parce que la sorcière, elle ne va pas venir vous voir. Elle va rester là. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le super spectacle? Attention! On y va! Attention, alors là, c'est une jolie musique qu'on connaît bien. Écoutez bien. Au-dessus, au-dessus. La duvet, t'as reconnu, bravo, champion! Malade? Ah, tchou! Oh! Oh mon Dieu!
donne mes cadeaux aux enfants. Ben oui, il y a du travail là bientôt. Ben oui, hein. Vous espérez avoir des cadeaux? Oui. Ben oui. Ben oui, alors là. Cadeaux. Bon, écoutez, avec ma valise, je devrais pouvoir vous guérir. Donc déjà, on va commencer. Oui. Vous connaissez cet instrument-là? C'est pourquoi? Je vais prendre la température du docteur. Du docteur? Oh là 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 là, mais que dis-je? Du Père Noël. Vous avez l'impression d'avoir chaud, Père Noël? Oh oui, j'ai très très chaud. Tiens, touche. Oh oui. Où est la chaud, le Père Noël? Où est la chaud? On va prendre la température, hein. Oh là 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 là, je suis embêtée. Bon, c'est pas grave, je vais vous ausculter. Achoum. Achoum. Ah, vous savez ce que c'est, ça? Ouais. C'est pour regarder dans les oreilles, le docteur il le fait, ça fait pas mal. Alors je vais regarder dans vos oreilles, Père Noël. La tête, hein, mais bon, c'est naturel chez moi. Vous savez ce que j'ai vu dans son oreille? Oh. Une crotte en chocolat! Mais Père Noël, on met pas les crottes en chocolat dans les oreilles! Je fais mes réserves quand je vais distribuer mes cadeaux. Vous rendez compte, il a mis une crotte en chocolat dans son oreille. Mais j'ai deux oreilles, Père Noël, docteur. J'ai deux oreilles. Deux oreilles? Parce qu'on a deux oreilles, nous, les humains. Une, deux, ah oui. Je regarde. Oh. 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 Vous savez ce qu'il y a dans l'autre oreille? Oh. Un sucre d'orge. Oh. 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 Mais alors, Père Noël, ça ne va pas du tout. Bah, je comprends, vous soyez malade. Oh là là, je vais quand même ausculter votre cœur. Faut quand même savoir, hein. Vous connaissez ça, le docteur, il vous ausculte, hein. Il met là pour écouter le cœur. Moi, je vais écouter le cœur du Père Noël. Mais non, docteur, mon cœur, il est pas là, il est là, mon cœur. Mais non, il est là, mais je l'entends mais pas. Non, docteur. Vous croyez que quand vous allez chez le docteur, c'est là qu'il ausculte? Écoutez, on va voir, on va écouter si on entend les battements. Pauvre
Pinocchio. Il va se soigner. Alors, Père Noël, où en oh là là, j'ai vu le docteur. J'ai 79 fièvres. Mes oreilles, elles entendent rien. C'est un petit peu normal, Père Noël. Et puis j'éternue tout le temps. Oh là 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 là. C'est pas un vrai docteur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument que le Père Noël puisse apporter tous les cadeaux aux petits-enfants. Oh là 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 là. Faut que je réfléchisse. Ça y est, j'ai trouvé. Puisqu'on ne peut pas faire confiance à la médecine parallèle, à la médecine traditionnelle, nous allons essayer la médecine parallèle. Père Noël, je prenais quelqu'un qui pourrait t'aider. Ah oui, je veux pouvoir donner mes cadeaux. Bien sûr. Alors, c'est un monsieur avec une longue cape noire, avec un bâton, et qui dit des phrases un peu bizarres. Hein. Vous inquiétez pas, il va peut-être même vous faire répéter. Ce monsieur, il s'appelle le druide. Alors, un vivier, il pourrait essayer de me soigner. Alors, je vais chercher le druide. On appelle le druide. Le druide. Le druide. Le druide. Le druide. Le druide. Bonjour, vous tous. Je suis contente de vous voir. Je suis le druide Panoramix. Oh là là, je suis un petit peu miro, hein. Parce que j'ai pas de lunettes, j'ai mes poils de barbe. Enfin bon. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est vous qui m'avez appelé? Non. Hein? Oh. Alors, qui c'est qui est malade? Achoum! Achoum! Achoum, Père Noël! Comment ça va? Oh là là, je suis très malade. J'ai 79 fièvres. Mes oreilles, elles n'entendent pas. Et j'éternue tout le temps. Oh là là, 79 fièvres! Et il est sourd! Ah oui, j'entends plus rien. Oh là 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 là. Comment vais-je pouvoir te guérir? Ah, mais là, regardez, j'ai mon bâton magique. Alors, grâce à lui, je vais te guérir, Père Noël. Ah oui. Mais pour cela, il faut que vous m'aidiez. Je vais dire des formules magiques et vous devez les répéter. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, les formules magiques. Alors, j'y vais avec mon bâton. Attention, attention, attention. Vous êtes prêts? Oui. Bouzou, bouzou. À vous. Bouzou, bouzou. Abracada. Abracada. Zoup, zoup. Zoup, zoup. Filou, filou. Filou, filou. Mais je vous entends pas. Allez-y. Filou, filou. Attention. Thank you.
70 de fièvre. J'entends rien et j'éternue toujours. Comment je vais faire pour distribuer mes cadeaux? Oh là 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 là, mais c'est pas possible, c'est pas possible ça! Mince alors! Comment allons-nous faire? Oh là là! Faut que je réfléchisse? Alors là, je vais te présenter quelqu'un. C'est une dame habillée tout en noir, avec un chapeau pointu noir, et souvent elle se promène avec un panier. Tu la connais pas, hein? Non. Vous savez qui c'est, les enfants? C'est la sorcière. C'est la sorcière. Alors, je vais chercher la sorcière. Oui. Oui. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Oui, oui, je suis là, sorcière. Je suis un bon, je suis gentil. Oui, oui, c'est moi là, sorcière. Je viens vous faire un petit coucou. Ah, tant pis pour l'ours. Eh, hey, bonjour. Bonjour. Mais, je vous connais, vous. Vous êtes les copains des petits lutins. Et régulièrement, vous chantez une comptine sur moi. Est-ce que vous la connaissez? Parce que moi, je vous entends. Des fois, je me promène avec mon valet et je vous entends. On la fait ensemble? Dans le jardin de ma grand-mère, il y avait une sorcière. Elle avait un chapeau noir. Et manger, qu'est-ce qu'elle mange? Des vers de terre. Et vous, quand on dit ça, vous faites berk. Mais moi, j'adore les vers de terre. Mais pourquoi? Ah oui, mais pourquoi vous m'avez appelé? Ah, oh, Père Noël! Bonjour, Père Noël. Bonjour, sorcière. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Père Noël? Je suis très très malade. J'ai 70 de fièvre. 70 de fièvre? Je parle avec mon balai, hein? Mes oreilles, elles n'entendent plus rien. Et j'arrête pas d'éternuer. Oh là 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 là, il est malade, le Père Noël? Oui. Oui? Oh. Mais il faut qu'il arrive à nous distribuer les cadeaux. Bon, alors j'ai vu le docteur. Le druide, ils m'ont pas soigné. J'espère que la sorcière va me soigner. Alors oui, moi je peux te soigner, Père Noël. Mais comme le disent les copains, moi mon truc, c'est de manger. Oh, moi j'adore manger les vers de terre. Tout gras, tout mignon. Regardez, moi je les mange, les vers de terre. Thank you.